Ce geste symbolise l'entame de l'opération de collage des nouvelles vignettes, des taxis, taxibus et autres véhicules de transport. Les stickers estampillés Gabon Télécom se présentent comme un passeport que les taximen sont invités ici à acquérir afin de circuler en toute quiétude dans les rues de Libreville et ses environs. Le message que je lance à l'endroit des transporteurs récalcitrants, c'est que cette année, les choses risquent d'être différentes et plus corsées. Donc je leur recommande vivement de bénéficier du temps dont nous disposons, c'est-à-dire jusqu'au mois de juin, pour être en règle vis-à-vis de la mairie. Considéré comme l'un des facteurs visant l'embellissement de l'image du pays, la promotion de la culture et l'appropriation des valeurs patriotiques et traditionnelles, l'autocollant à plaquer sur les portières, se veut être la pierre de l'hôtel des villes posée pour la constitution du tissu économique national. Il faut réguler les choses, il faut recontrôler les choses, à la limite, amener une prolifération des transporteurs sociaux. Qu'est-ce que j'entends par transporteurs sociaux? C'est-à-dire que si la mairie aujourd'hui pouvait mettre en place des compagnies de transport urbain à des coûts abordables, la mairie n'ayant pas vocation à faire des bénéfices, cela contribuerait énormément à baisser le coût du transport au niveau des partenaires privés. De nombreux challenges dans le domaine du transport urbain attendent l'édile de Libreville et ses adjoints, notamment l'amélioration de l'offre de services à travers la qualité des véhicules de transport et l'harmonisation des circuits routiers réservés aux taxis, taxibus et autres.